Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22 de ce calendrier de l'Avent. On s'approche vraiment de la fin. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée de faire toutes ces vidéos tous les jours, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais les looks que je crée, je les aime beaucoup. Donc je suis vraiment contente de vous avoir proposé ce contenu là pendant tout le mois. Bref, aujourd'hui j'ai sorti ma Chocolate Gold de chez Too Faced, qui est vraiment une super belle palette et bien pigmentée. J'ai fait un look vert, je crois que j'ai utilisé pas mal de couleurs de toute la palette. Donc j'ai qu'une envie de vous dire, c'est parti pour le tuto. Allez, je commence par appliquer ma base à paupières. J'ai ressorti ma Shadow Insurance parce que pour toute la journée c'est quand même mieux que la AOA, voilà, qui marche bien mais je préfère celle-ci. Ensuite je vais venir poudrer vraiment plutôt sous le sourcil ma base avec la teinte la plus claire de cette palette. Ensuite je prends le marron le plus clair et je vais l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Ça va être mon fard de transition. Je vais venir intensifier ça avec ce marron beaucoup plus chaud et pareil je vais l'appliquer au même endroit. Et pour donner encore plus d'intensité, je viens mélanger le noir et le kaki de la palette et je viens le mettre dans le coin externe et dans mon creux de paupière. Le kaki est un fard qui a des petites paillettes dorées, vous allez les voir apparaître au fur et à mesure que j'estompe, mais c'est pas très grave, moi je trouve ça joli. Après j'ai repris que du kaki pour mettre dans le creux pour vraiment donner une teinte un peu verte en fait à ce maquillage. Ensuite je viens faire du propre donc sur toute ma paupière mobile avec mon anti-cerne de le Make Up Revolution et un petit pinceau plat. Ensuite on passe à la couleur, donc je prends ce vert qui est vraiment très très joli et bien pigmenté et je le place dans le coin externe de mon œil. Je vais venir faire en fait un genre de halo vert, donc je le place en biais sur le coin externe et pareil dans le coin interne, je vais venir former un triangle en fait au centre de la paupière comme vous pouvez voir sur mon œil à côté. Là j'ai pris un pinceau un peu plus petit pour aller plus dans le détail. Après, si le triangle n'est pas parfait, bah, c'est pas très très grave. En plus, là, avec l'effet d'optique, on dirait qu'il est complètement travers, mais ils étaient plutôt symétriques. Une fois que je trouve que ma couleur est quand même bien intense, on va venir prendre du coup la teinte dorée que je vais placer là où il n'y avait pas de fard à paupières jusqu'à maintenant. Et après j'estompe bien les bords du doré dans le vert en reprenant du vert s'il faut. Et pour avoir un joli dégradé entre les deux et que ça passe pas vraiment, je tac, on voit bien un triangle, non, on estompe quand même la matière. Après sur le point, je vais prendre cette teinte, la Rich Girl, et juste pour illuminer un tout petit peu mon doré. Pour le ras de cils, j'ai utilisé d'abord le violet que j'ai tiré, vous voyez, jusque vraiment sur la virgule de mon make-up. J'en ai mis aussi dans le coin interne. Et au centre de la paupière, j'ai utilisé la teinte Fuchsia. Voilà, en fait, finalement, les couleurs sont pas très lisibles. Ça fait plus un trait violet globalement, mais bon, c'est pas grave. Ensuite je prends ce liner pailleté de chez Tarte, enfin où il y a un côté métallisé et un côté pailleté. Et je vais venir tracer là au-dessus du doré juste un trait, voilà, un trait.
Je vais encadrer en fait le coin doré avec mon liner métallisé. Et ensuite, avec les paillettes, je vais les mettre sur le doré pour apporter... Ben, parce que j'adore les paillettes, voilà, tout simplement. J'en tapote légèrement sur le doré, je tapote avec les doigts pour mieux les étaler. Et enfin, comme d'habitude, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Voilà, le tuto est déjà terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et à lâcher des commentaires si ben, ce look vous a plu, si ma chaîne vous intéresse. Et puis, moi je vous dis à demain pour la 23e vidéo. Je vous aime.